Nang's Reborn. Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ça, c'est une vidéo extraordinaire, une vidéo qui fait le tour du monde déjà. Et moi, j'ai décidé de vous en parler. C'est un truc de ouf, c'est un truc hors du commun. Ha! Écoutez-moi très bien parce que vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin. Ok? En commentaire. Mes frères et sœurs, je me suis levé tôt ce matin quand j'ai vu des gens rassemblés dans un lieu extraordinaire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais regardez! Est-ce que vous voyez ça? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est aux États-Unis, dans une université appelée une université à Asbury. Bon, regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais que se passe-t-il? On dit qu'au départ, ces gens étaient venus faire une prière de 10 minutes et repartir faire le cours, suivre le cours. Mais, que sont venus? Ils ont commencé à prier, ils ont senti la présence forte du Saint-Esprit. Comme ils ont senti la présence de Dieu, ils sont restés là en même temps pour continuer la prière. Et dans ça, là, d'autres sont venus. Cette affaire de prière d'un jour, enfin de juste 10 minutes, s'est transformée en une histoire de prière de plusieurs jours. C'est plusieurs jours, ces jeunes gens sont là, en train de prier, adorer Dieu, louer Dieu. Et ils sont sérieux de ce qu'ils font. Et tous ceux qui viennent là disent qu'ils sentent quand même la présence de Dieu là, sérieux. Regardez! Et la chose la plus remarquable, c'est que ce sont des jeunes gens. Des jeunes gens sont les étudiants, les jeunes gens. Vraiment, quand on voit ça, c'est étonnant, c'est extraordinaire, c'est surprenant. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Waouh! Et la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai vu même que là-bas, il y a eu une manifestation démoniaque. Comment ça? Une femme qui était possédée, tu étais là dans la salle. En fait, elle était tombée, quoi. Elle était tombée. Les gens pensaient que c'était juste un malaise qu'elle avait eu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les gens pensaient que c'était juste un malaise qu'elle avait eu. Donc, ils l'ont transportée depuis l'endroit où elle se trouvait ici, là. Vous voyez, non? Ici, là. Ils l'ont transportée jusqu'à là. Pour pouvoir l'amener aux urgences. Mais dans la foule, il y a une femme qui se dit que ça là, c'est pas normal, que c'est sans doute un cas de possession démoniaque. Du coup, la femme s'est approchée pour pouvoir prier sur la dame en question. Et cette dame a émis un cri fort que vous allez entendre tout de suite là. Regardez. C'est ici là que tout se déroule, juste au bon milieu là, au bon milieu. Je vais zoomer. Regardez, je zoome, vous allez voir ça. Juste ici là où il y a le regroupement là, là. C'est là là que cette femme est couchée. Et c'est là que cette dame va venir prier sur elle et chasser le démon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutons. Je te commande de sortir au nom de Jésus. J'ai fait la traduction en français pour vous. Là, elle demande au démon de sortir. Et là, les gens aussi dans la salle ont commencé à comprendre que c'est un cas de possession démoniaque et qu'ils doivent soutenir cette prière. Sors de son corps au nom de Jésus. Et la femme a commencé à crier. Regardez, écoutez. Revenons juste un peu en arrière. Je vais rapprocher la caméra ici de ces enceintes pour que vous puissiez bien entendre ça. Écoutez bien. Écoutez très bien le cri qu'elle va émettre. Hein. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce cri-là? Est-ce que vous avez entendu le cri? Revenons encore en arrière. Écoutons ça. Quand il demande sort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il crie comme si c'était le feu! Écoutons.
qui ont entendu, c'est que comme nous, se mettent à enclamer dans la salle pour dire waouh, gloire à Jésus, c'est tout incroyable. Elle vient de chasser des démons dans le corps d'une femme, sérieux. Ah, mais c'est impossible. Mais... aïe, 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 aïe. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer ici? Est-ce que vous venez de voir ce qui vient de se passer ici? Tellement ils sont connectés à Dieu, ils peuvent même chasser les démons. Ils peuvent même chasser les démons sur eux. Ils peuvent même chasser les démons sur eux. Chasser les démons. Les démons. C'est du hors du commun. Waouh, c'est impressionnant quand même. Hein. Et si on faisait un tour là-bas? On va faire un tour là-bas pour qu'on puisse chasser aussi les témoins qui sont à gauche et à droite chez nous. Parce que ça, c'est grave. Mais la chose qui est encore plus surprenante, c'est ce que je vais vous montrer. Il y avait un jeune homme qui était venu rendre son témoignage. Ouais, non. Un jeune homme qui était venu rendre son témoignage ici. Et il expliquait aux gens comment il traversait un moment difficile. Comment il a eu son diplôme, mais il a du mal à trouver du travail. C'était un peu compliqué. Il expliquait comment c'était difficile et tout quoi. Et pendant qu'il expliquait, quelque chose s'est passé. Vous voyez ça ici, que les gens ont commencé à s'approcher. Un homme s'est approché juste là. Vous voyez, je zoome pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est le jeune homme qui est ici. Pendant qu'il était d'expliquer son problème, le problème qu'il traverse et tout ça, un homme s'est approché et qu'est-ce que cet homme va faire? Regardez bien. Il dépose carrément un billet à terre. Un autre approche, il dépose un autre billet. Et le jeune homme, tellement dépassé, il dit, non, juste je vous explique mon témoignage, mais je ne vous ai pas demandé de me faire un don, mais s'il vous plaît, regardez comment il fait. Vous voyez comment il fait, je vous dis, non, ne soyez pas peiné, gardez votre argent, mais il ne comprend pas, il dit, mais arrêtez quand même, mais arrêtez. Mais regardez, ça continue. Vous voyez, ça continue. Il est même dépassé. Et les gens viennent pour déposer de l'argent, pour le soutenir, pour dire, c'est vrai, tu as des problèmes, mais nous, on est là, on va t'aider avec le peu qu'on a. Pendant qu'il est tenté de réfléchir à tout ce qui s'est passé et tout ça, voici que quelque chose d'étrange va se passer. Et que va-t-il se passer? C'est cet homme qui est là. Cet homme va prendre beaucoup d'argent, jeter carrément sur lui. C'est pas lui, c'est un autre qui va venir. Attendez tout de suite, il va venir de toute façon. Voilà, j'ai la main au pied, c'est lui. Il a jeté de l'argent sur lui. Venez en arrière, regardez ça. Wow, regardez, vous voyez ça? Il a jeté beaucoup d'argent sur lui. Et les gens qui sont derrière sont étonnés. Les gens qui sont derrière sont étonnés, ils se lèvent, ils acclament. Parce que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. Vous savez, la vie est difficile aujourd'hui. Pour qu'une personne puisse vous donner de l'argent, c'est assez difficile. Il faut que son cœur soit touché. Mais quand il y a de telles choses, ce que le Saint-Esprit est là, c'est que c'est une chose qui manifeste, qui démontre la manifestation de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et Dieu a tenté de toucher le cœur des gens. Et les gens sont libres de donner, ils donnent avec joie. Vous voyez, non? Voilà. Et la foule est encore plus contente. Vous voyez, regardez. Et les gens donnent, jeunes, âgés, tout le monde. Et regardez la jeune femme qu'elle a, elle est tentée de pleurer. On va zoomer un peu. Vous voyez, la jeune femme qu'elle a, elle est tentée de pleurer. Revenons un peu en arrière, vous allez voir ça. Elle pleure, elle est étonnée, elle est surprise. Elle ne s'y attendait pas. Elle pleure vraiment. Elle pleure de joie. C'est comme s'il venait soutenir son frère. Vous voyez, ça étonne même le jeune homme qui est ici, il est étonné. Il est surpris, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Elle vient le soutenir, elle vient l'attraper pour dire, oh mon frère, je te soutiens.
C'est Dieu qui est en train de nous répondre comme ça. Dieu est en train de nous montrer son amour. Dieu, Jésus nous montre qu'il est avec nous. Emmanuel. Et un jeune homme arrive aussi. Et il le saisit et se soutiennent. Ils partagent l'amour du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'amour pour son prochain. Manifesté comme ça, en lieu public, en pleine école, avec des jeunes gens. Regardez, des jeunes gens comme ça. Ça, c'est rare. Les gens pensent que ça, c'est un réveil spirituel. Ha! Frère et soeur, j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai dit vraiment, waouh, quoi. C'est du hors du commun. Vous avez vu ça et ça se passe aux États-Unis, hein, à Asbury. On dit c'est une université, les gens viennent là-bas pour étudier. Mais tellement, tellement ce qui se passe là a pris de l'ampleur. Les responsables de l'établissement ont décidé de suspendre le cours parce que là, ça devient grave. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le truc, c'est que les gens ont appris la nouvelle et ont commencé à marcher l'un après l'autre et à venir là-bas. Sérieux, regardez. Ils sont maintenant nombreux. Jour et nuit, même en ce moment, ils sont en train de vous parler. Ils sont en train d'adorer Dieu, ils sont en train d'adorer le Seigneur. On nous dit qu'il y a des guérisons, il y a des miracles qui s'opèrent, les démons sortent. Aïe, 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 mais c'est chic. J'aimerais être là-bas aussi. Pour voir clair d'affaires là. Mais what? Je suis loin de Dieu. S'il te plaît, demande l'argent de billets d'avion. Je vais aller aux États-Unis pour voir clair d'affaires. S'il te plaît, vous regardez mon visage. Mais regardez! J'adore Dieu. Ils sont venus nombreux. De partout. Ils sont nombreux. En train de dire Jésus. Jésus, ils adorent Jésus. Vous voyez ça? Ils adorent Jésus, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Cette chanson est extraordinaire. Jésus, c'est Yeshua qu'il prononce comme ça en disant Yeshua. Vous voyez, donc ils disent Jésus. Répéter ça et répète ça. Regardez, les gens sont concentrés sur eux. Hein. Regardez comment ils sont habillés. Incroyable, mais ouais. C'est la chose qui m'étonne, c'est que les filles qui sont là-bas ne sont pas habillées de façon sexy, comme on a l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux. Les filles qui sont là-bas ne sont pas en train de rimer les fesses sur les réseaux sociaux. Les filles qui sont là-bas ne sont pas en train de monter les seins sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la jeunesse.
La jeunesse qui a abandonné tout ça et a décidé de venir fléchir genoux face à son créateur, qui a décidé de montrer son visage, qui a décidé de nous montrer sa présence. Ils sont venus de partout, ces gens. Ils sont venus de partout. Le monsieur est venu avec sa Bible. Même des gens font de longues heures de route pour être là, pour être ici, là, à cet endroit-là. Il n'y a pas de pasteur. Non, non, non. Il n'y a pas de prêtre. Non, non, non. Il n'y a pas de guide religieux. Non, c'est tout le monde rassemblé dans un endroit pareil. Et ce sont les jeunes qui sont à la tête de ce mouvement. En fait, c'est pas un mouvement, c'est un truc qui est né comme ça. Et ils disent que c'est le réveil spirituel qui a commencé. Sérieux, sérieux, sérieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mes frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Moi, récemment, j'ai eu un songe. Ouais, non. Écoutez bien. J'ai eu un songe. Dans le songe, là, j'étais en compagnie d'une, on va dire, d'une jeune fille. C'était une fille qui venait d'entrer au collège. Oui. Et c'est comme si j'étais en même temps son petit ami ou bien, genre petit ami ou bien fiancé ou bien gars. Un de ces gens. Ouais, non. Et la fille, elle était arrêtée là, juste là devant moi. Et on se trouvait devant une salle de classe. Écoutez ça bien. Écoutez bien. On était devant une salle de classe. On va dire même que c'était dans une école. Une école. Et elle était devant la salle de classe. Elle était habillée en robe. Genre, c'est pas tellement robe, mais il y a les manteaux là. Les manteaux aux mains, c'est les manteaux. Quand on la formait, les manteaux, pour ces gens se couvrir, ça descendait jusqu'à, on va dire, jusqu'à son pied. Maintenant, je l'ai regardée. Elle était au téléphone en train de parler à sa maman. Elle causait avec sa maman. Et puis, quand je l'ai regardé, je lui ai dit, ah mais, waouh, regarde ton manteau. Le vêtement que tu as porté là, qui est en kaki, parce que ça, c'était un vêtement kaki. Ouais, non, kaki. J'ai dit, mais waouh, ta robe là, bon, ton manteau là, c'est froissé, ma chérie. Ouais, non. Je l'appelais, je disais comme ça, ma chérie, c'est parce que c'était comme si c'était effectivement ma genre, ma femme ou bien un truc de ce genre. Je dis, mais ton manteau là, c'est froissé. C'est froissé, ma chérie. Veux-tu sortir avec ça comme ça? S'il te plaît, donne-moi ton manteau et je vais repasser. Vous voyez, quand il y a un fer à repasser, vous allez repasser. Elle était là, elle disait, oh, je suis pressée, je dois aller, j'ai un rendez-vous très important, je suis pressée. Je dis, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps, juste un peu de temps seulement, pour que je puisse juste repasser ton manteau avant que tu ne puisses partir. Elle était là. Et c'est à elle maintenant de choisir de me donner son manteau pour que je puisse repasser ou pas. Sans pression, hein? Sans pression. Et c'est là, elle a accepté de me donner son manteau. Est-ce que vous voyez? Quand elle m'a donné son manteau, après, quand elle a levé son manteau là, j'ai vu que il y avait genre comme un vêtement tout noir sur elle, genre les gens, comment on appelle ça? Genre les filles qui portent, genre le collant qui prennent de la, d'ici jusqu'au pied là. Voilà. Et elle m'a donné son manteau. Quand elle m'a donné son manteau, moi j'ai pris son manteau et je me suis retourné pour entrer où? Dans la salle de classe. Dans la salle de classe, là, maintenant, là-bas se trouvait une table. Mais à distance, je pouvais voir un fer repasser sur une table dans la salle de classe. Vous voyez, quand le professeur rentre dans la salle de classe, il y a un endroit où il s'assoit. C'est pas loin du tableau. Mais là, c'est comme si c'était au tableau, c'est comme si c'était à l'église.
Et à la chaire, vous voyez, il y a la chaire à l'église au beau milieu, non? Mais là, c'était une table. Sur la table se trouvait un pain. C'était bien dressé, un pain. Et un fer avait passé. Bien, bien, déjà chauffé, mais peut-être déjà prêt. C'était chaud. Et puis, moi, je suis arrivé tout simplement. J'étais même étonné, même que tout soit disposé de la sorte. Ça m'a étonné. Et j'ai pu le faire repasser. Il y avait de l'eau à l'intérieur. J'ai bougé un peu. J'ai vu qu'effectivement, ça faisait. Vous voyez, on voit la vapeur qui sort. Et puis moi, je repassais le vêtement de la fille. Et quand j'ai fini de repasser le vêtement de la fille, j'ai déposé le fer à repasser à sa place. Et le fer à repasser était toujours chaud. Vous voyez, non? C'était toujours chaud. Et après, je n'ai plus revu la fille. Sinon, j'ai vu un homme. Un homme grand et noir. C'est comme si cet homme-là était venu un ennemi pour me combattre. Et moi, j'ai réussi à vaincre. J'ai réussi à le vaincre. J'ai réussi à le frapper comme mon enfant même. Comme mon petit frère. Et quand ça a été fait, deux autres gars sont venus en renfort. Ça fait trois personnes. Mais de la manière, j'ai frappé le gars comme mon petit frère, alors qu'il était plus puissant que les autres. Les autres là, ont décidé de ne plus parler. Ils sont juste entrés dans la salle de classe, allés s'asseoir quelque part dans la classe. Vous voyez? Et nous, on continuait à causer entre amis. Mais tout ça s'est passé où? Dans une salle de classe. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et c'est là, l'esprit m'a dit que. Parce que je pensais à quelque chose en relation avec ma future femme. Vous voyez, non? J'ai dit, ah bon, les filles aujourd'hui, là, elles sont toutes habillées de façon sexy. Moi, vraiment, je ne veux pas que ma future femme s'habille de façon sexy. Je veux quel exemple elle va donner à mes enfants. Moi, je ne veux pas ça. J'ai parlé comme ça. Mais là, il disait, mais ah, la fille que tu m'as pointée, elle est bien, mais elle s'habille de façon sexy, hein, ça me dérange. C'est là, après, Dieu m'a répondu en me montrant ce message-là. Juste pour me dire que c'est vrai qu'elle s'habille de façon sexy aujourd'hui, mais il y a quelque chose de bon qui est en elle. Ouais, non. Il y a quelque chose de bon que j'ai mis en elle. Quand tu vas juste lui parler, là, comme elle a un bon cœur, et qu'elle sait reconnaître la voix du Saint-Esprit, elle va t'écouter, elle va finir par comprendre que tu as raison. Et elle va faire tout ce que tu vas lui dire. Sans pression, c'est elle-même qui va dire que tu as raison. C'est elle-même qui va prendre la décision de t'écouter. Vraiment. C'est elle-même qui va prendre la décision de t'écouter parce qu'elle a un bon cœur. Il y a déjà quelque chose en elle que Dieu a mis en elle qui est bon. Donc, à cause de cette chose-là, elle va vraiment t'écouter. En général, on dit que le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit en elle, ou bien c'est une fille qui a un bon cœur, qui a un bon esprit. Donc, elle sait reconnaître la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, ou encore elle sait reconnaître la vérité. Du coup, elle va t'écouter. Donc, tu n'as pas à te soucier du fait qu'elle s'habille de façon sexy et tout ça. Si Dieu te dit que c'est elle que lui l'a choisi, tu n'as pas à t'inquiéter du fait qu'elle soit habillée de façon sexy, mais tu n'as juste qu'à faire confiance en Dieu. Et à comprendre que si Dieu l'a choisi, c'est qu'il y a quelque chose de bon en elle. Et l'esprit me parlait comme ça, ou elle. L'esprit me parlait comme ça, il dit, ah d'accord. Donc elle est habillée de façon sexy, mais ça ne veut pas dire que elle sera toujours habillée de façon sexy comme ça. Je peux juste lui parler et elle va m'écouter. Comme elle écoute comme elle écoute Dieu et qu'elle écoute la voix du Saint-Esprit, elle m'écoutera. Ah, c'est là qu'il dit que, ah, mais si c'est comme ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, je peux facilement la changer. C'est que je peux facilement la transformer. Même si au départ, elle s'habille de façon sexy, elle montre ses fesses sur les réseaux sociaux. Et ça s'est passé plusieurs jours, c'est passé. Ouais, non. Et voici que je vois ça. Je vois ça, ce que vous êtes en train de voir là. Oui. Genre comme si c'était une réponse de Dieu pour me dire que ce que tu as vu en songe là, ce n'est pas faux, c'est vrai. Regardez. Regardez vous-même.
Maintenant, vous me posez-vous des vraies questions. Quelles sont les personnes qui s'habillent de façon sexiste sur cette planète? Regardez. Bien évidemment, ce sont les plans. Ce sont des Américains, ce sont des États-Unis. Mais regardez ici. Ici, personne n'a habillé de façon sexy. Regardez comment les gens sont. Et leur cœur est concentré sur Dieu, en train d'adorer Dieu. Ils ont oublié même leurs soucis. Tout. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est un peuple que Dieu a choisi depuis longtemps. Dieu les a consacrés depuis longtemps. Dieu a mis quelque chose de beau dans leur cœur. Ces gens ont un bon cœur. Donc, dès que le temps est venu net, regardez, ils ont oublié le fait qu'ils s'habillaient de façon sexy. Ils ont oublié le fait qu'ils étaient sur le réseau social, ils dansaient, ils montaient les fesses et les seins. Ils ont tout oublié tout ça tout à coup et ils reviennent à Dieu. Ça veut dire que les vrais enfants de Dieu que Dieu a passé partout dans le monde, hein, quand le temps de Dieu va venir seulement, vous pouvez voir que de façon comme ça, juste naturelle comme ça, les gens vont commencer à changer, commencer à s'intéresser aux choses de Dieu, commencer à prier. Vous regardez, ce sont des jeunes gens, vous voyez. Ça veut dire que Dieu a encore sa main sur nous et il a son peuple parmi nous, vous voyez. Il a son peuple parmi nous. Ne regardez plus aux apparences. Genre, tu vois quelqu'un, la personne est mal habillée, elle dit, toi, tu es mal habillé, tu vas aller à l'enfer. Ne dites plus ça. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans une personne, ce que Dieu a mis dans les gens. Regardez vous-même, les gens qui avaient l'habitude de s'habiller de façon sexy se retrouvent là en train de prier. Le Seigneur, sérieux, comment c'est possible? Vous voyez ça? Le fer a repassé, mais le fer a repassé était toujours allumé dans ce songe. C'était toujours prêt à agir et je voyais la vapeur en sortir. Ça, c'est quoi? En général, c'est ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit va venir transformer le cœur des gens. Le Saint-Esprit va venir tout changer dans la vie des gens. Dans la vie des jeunes gens, des jeunes gars, des jeunes filles, des jeunes hommes. Ils vont tous commencer à s'intéresser au jeu de Dieu parce que c'est le temps qui est arrivé maintenant. Oui, c'est le temps qui est arrivé maintenant. Où Dieu va visiter son peuple, où Dieu va se laisser trouver par ses enfants, ceux qu'il a choisi depuis très longtemps. Très longtemps. Les gens là vont se mettre à chercher la face de Dieu de façon naturelle. Regardez, sans pression, sans pasteur, sans prêtre. Est-ce que cela, on les a forcés? Est-ce que cela, on les a forcés? Ce sont eux-mêmes de façon... C'est-à-dire, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de venir là. On ne les a pas mis la pression. On n'a même pas payé les transports. Mais ils ont couru! Ils ont couru comme jamais! Comme jamais! Pour venir là, pour adorer Dieu sérieusement. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? C'est là que les gens disent que, ça, c'est pas normal. Et si le réveil spirituel dont nous a parlé depuis très longtemps était arrivé? Certaines personnes ont des doutes. D'autres se posent encore d'autres questions. Mais le mouvement est déjà en place. Les gens viennent. Ils adorent Dieu. Et ça me rappelle un peu quand Jésus était arrivé. Quand Jésus était venu, les gens disaient, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Toi qu'on attendait depuis longtemps, est-ce que c'est toi qui es là? Tout le monde commençait à dire que non, on a des doutes. Mais pendant qu'ils étaient, ils avaient des doutes. Sur le mouvement, sur ce que Jésus faisait, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à côté? Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus priait pour les gens. Il opérait des miracles. Les aveugles voyaient. Ils chassaient les démons. Pendant qu'eux étaient là-bas, ils se posaient la question encore pour savoir, est-ce que c'est vraiment lui? Ou devons-nous en attendre un autre?
Devons-nous en attendre un autre sauveur? Jésus est en train de faire ce qu'il devait faire. Et même les disciples sont venus lui poser la question, mais ah Jésus, écoute, est-ce vraiment toi celui que nous attendons depuis très longtemps, toi qui as fait l'objet des prophéties, est-ce que c'est toi? Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, regardez autour de vous-même. Les aveugles voient. Ceux qui ne peuvent pas marcher, marchent. Ceux qui sont morts reviennent à la vie. C'est la réponse qui est là. Quoi? Sérieux? Sérieusement, Jésus, c'est la réponse que toi tu nous donnes matin, bonheur là. Sérieux? Ça veut dire que quand le moment du réveil spirituel va venir, certaines personnes vont se poser la question de savoir, ah, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est le diable? Est-ce que c'est du diable? Mais une chose est sûre, c'est que les faits seront là. Les choses seront là, ici, juste là, vous allez voir. Vous allez voir. Et si c'est de Dieu ou pas, vous allez de toute façon voir. Les gens s'intéressent à ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher la face de Dieu, la face de leur Créateur. Les gens se repentent, de donner leur vie à Dieu. Les gens sont concentrés et sont là depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Les gens viennent de partout. La foi est vraiment, quand on voit ça, ça donne la chair de poule. On voit sur les réseaux sociaux les réactions des gens qui attendent l'arrivée de Jésus depuis longtemps. On voit les gens qui sont en train de pleurer, en train de dire, oh Dieu, vraiment, merci de nous montrer que tu es là. Ouais, on t'attendait depuis longtemps, c'est pas qu'un jour tu allais nous montrer ta présence comme ça. Regardez ce qui se passe. Et ces gens-là aimeraient que ce mouvement, cette énergie s'étende partout sur la terre. Déjà, c'est ce que ces gens-là aimeraient. Vraiment, ils aimeraient ça. Que se passe-t-il ici? Mes frères et sœurs, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Moi, le simple fait que j'ai eu ce songe m'amène à quand même ne pas négliger le fait que j'ai eu ce songe. Ce songe, c'était des naissances de classe. Et c'est ici, c'est à l'école. Où on étudie là. C'est là-bas, ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la jeunesse que Dieu va maintenant utiliser pour tout changer, tout transformer. Vous voyez ça? Parce que la jeunesse a été longtemps malmenée par le diable. Le diable a trop travaillé avec sa jeunesse. Aujourd'hui, Dieu veut faire son travail et récupérer son peuple. Son peuple, sa nation. Et les gens sont prêts pour Dieu aller là. Ils sont prêts. Hein? Ils font des kilomètres et des kilomètres en voiture. Des heures de route pour venir là. Ha! 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 C'est chaud. Ah ben chaud. Mais voyez, c'est chaud. Hein? Regardez vous-même, c'est chaud. Vous voyez ça? Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de guide religieux. Mais ces gens-là ressentent la présence du Saint-Esprit selon leurs témoignages. Ils sont là. Ils se soutiennent. Ils prient sérieusement. Et ils prient. Ils disent qu'ils se sentent à l'aise ici. Ils se sentent en paix ici. Ils se sentent loin des problèmes de ce monde. Et eux, ils préfèrent rester là pour adorer les dieux. Tout simplement. C'est extraordinaire. C'est vraiment, je dois reconnaître que c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des images qui touchent. Des images hors du commun. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Que Dieu continue à manifester sa bonté auprès de l'humanité encore comme ça.
que le cœur de ces gens se transforme en cœur de chair. Oui, en cœur de chair. Que le cœur de pierre devienne le cœur de chair. Ouais, le cœur de chair. Le cœur de chair. Ha! La vie. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Alors que nous sommes en train d'attendre des catastrophes naturelles à gauche et à droite, les séismes, des tremblements de terre, des explosions, des accidents. Voici les vraies, vraies choses qui se passent ici. Regardez vous-même. Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you! N'est-ce pas? Soyez prêts!